Bonjour, une nouvelle vidéo sur la garantie Avon, donc la garantie 100% satisfaite ou remboursée. En quoi ça consiste? Comme son nom l'indique, la cliente, elle peut bénéficier d'une garantie 100% satisfaite ou remboursée dans un délai de 2 campagnes. Donc je prends l'exemple, elle a commandé en campagne 15, elle a jusque fin de 17 pour vous dire que le produit ne lui convient pas. Alors, pour quel motif on peut retourner le produit? Tout d'abord, si la cliente elle a fait une allergie au produit, ce qui peut arriver, donc là forcément la garantie va rentrer en ligne de compte. Si elle n'est pas satisfaite, donc ça peut très bien être que le produit ne lui convient pas, elle n'a pas les résultats escomptés, promis par le produit, ou si la couleur ne lui plaît pas. On peut également reprendre le produit si la couleur ne lui convient pas. Pour tout ce qui est lingerie, également, donc si c'est trop grand, trop petit, souvent quand on fait un cadeau, c'est un petit peu délicat, on peut parfois se tromper, et donc là la garantie peut aussi être demandée. L'autre motif, ça peut être si le produit est défectueux, donc s'il a été cassé pendant le transport, par exemple comme les parfums qui sont souvent sous blister. Si vous ne l'ouvrez pas en tant qu'ambassadrice avant de livrer votre cliente, elle va l'ouvrir chez elle. Et c'est là qu'elle peut découvrir que le parfum le flacon est fissuré, le bouchon est cassé, le système de vaporisateur ne fonctionne pas, ou pour les bijoux, il peut avoir la fermeture qui est cassée, etc. Donc là aussi, la garantie peut être demandée. Et il faut bien savoir, et ça c'est quand même très important, que le produit qui est retourné doit de toute façon, dans tous les cas, être retourné. Donc la cliente, si elle a mis à la poubelle, c'est pas de bol. Il faut aussi que ce soit dans son emballage d'origine, ce qui est très important. Et puis pour tout ce qui est bijoux, lingerie, vous avez souvent une petite étiquette avec garantie. Donc ça, c'est très important aussi de le laisser. Donc la lingerie, si la lingerie elle vient au bout de 2 mois, finalement ça ne me convient pas, c'est qu'il y a un souci quelque part. Il faut bien faire attention à ça quand même, parce qu'en général la cliente, elle va essayer tout de suite, surtout si c'est pour elle, elle va essayer les produits, elle va essayer la lingerie. Donc bien lui dire qu'elle essaye avec l'étiquette. S'il n'y a pas de souci, elle peut l'enlever. Par contre, s'il y a un problème, qu'elle vous le dise tout de suite. Et puis à ce moment-là, vu qu'il y avait encore l'étiquette, on peut le retourner. Voilà. Donc, on prend l'hypothèse qu'une cliente n'est pas satisfaite de son produit, qu'elle vous recontacte, donc vous récupérez le produit. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? C'est pas compliqué. Dans votre livraison, vous avez toujours pas mal de feuilles. Notamment, donc là, tout le descriptif de vos produits. Donc, que ce soit ce qui est dans le succès en campagne actuelle ou en campagne moins 1. Vous avez le récapitulatif, enfin votre facture détaillée, avec la petite partie qui est à renvoyer si on règle par chèque. Et vous avez notamment, en plus des feuilles boîte aux lettres, donc toutes les informations, vous avez une feuille de retour. Donc, c'est écrit en bleu, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez un certain nombre de produits. Alors pourquoi sur cette fiche de retour vous n'avez pas tous les produits qui ont été commandés? Tout d'abord parce que tout ce qui est dans le succès, vous ne pouvez pas le retourner. Donc vous ne pouvez pas faire jouer la garantie, ça c'est important de le savoir parce que souvent en tant qu'ambassadrice, on va acheter de la lingerie, déjà pour l'avoir en produit démo et puis peut-être pour nous, on n'a tout simplement pas envie d'attendre que ce soit en brochure et à ce moment-là on se trompe dans la taille. On n'a aucun recours on va dire. Donc il faut bien faire attention au niveau de la taille. Donc tout ce qui est dans le succès ne fonctionne pas. Après les lots de parfums, toutes ces choses-là non plus. Il faut bien faire attention. Donc surtout, prenez l'habitude de bien garder votre fiche de retour. Même si vos clientes, au bout d'une ou 2 semaines, sont satisfaites, il n'y a pas de souci, gardez-les bien. De toute façon, toutes vos factures, il faut vous les garder dans les archives, y compris les toutes premières factures si ça fait des années que vous faites avant, puisque ça fait office quelque part un peu de fiche de paye. C'est la preuve comme quoi vous avez gagné temps et temps au niveau de avant. Donc voilà, la fiche de retour, comment la remplir? C'est vraiment pas sorcier. Donc vous avez déjà la quantité de chaque produit. Vous avez le prix, vous avez la référence. Et vous avez 4 colonnes de libre, 4 colonnes vierges. Donc la colonne motif, une colonne quantité à retourner et 2 colonnes qui sont réservées à avant. Donc là, on ne va pas en parler de ces 2 colonnes-là, puisque forcément, vu que c'est réservé à avant, ça ne nous concerne pas. Pour les 2 autres, motif et quantité retournée, c'est très important. Donc vous avez votre produit qui doit être retourné.
Donc à ce moment-là, vous regardez s'il figure bien dans la liste. S'il est dans la liste, il n'y a pas de souci. Donc dans quantité retournée, bah, vous allez forcément indiquer la quantité retournée. Alors à quoi ça sert cette colonne si on avait commandé qu'un mascara et que vous en retournez un? Bah, vous n'avez pas forcément qu'un article de chaque référence. Vous pouvez avoir 2, 3, 4, 5 fois, voire même plus, le même article dans la même commande. Donc, si, admettons, si vous avez commandé 3 parfums de Outspoken de Fergie, ben, vous pouvez très bien retourner que, hein, puisqu'il peut avoir un souci sur un seul des 3 parfums. Donc, à ce moment-là, dans la colonne quantité retournée, vous allez mettre ben, la quantité que vous retournez à avant. Il faut bien faire attention, vous avez 2 colonnes. Donc si vous en retournez, admettons, 1, vous mettez 0,1. Si vous en retournez 4, vous mettez 0,4. Ben, si vous en retournez 10, vous mettez 10 tout simplement. Il faut bien faire attention de mettre le 0 devant. Pourquoi? Pour par exemple 1 produit, 2 produits, 5 produits et ça jusqu'à 9 produits. Parce que ben, ça peut être mal interprété informatiquement. Donc il faut vraiment que vous fassiez attention à ça. Donc pour la quantité retournée, je pense qu'il n'y a vraiment rien de compliqué. Pour le motif, bah, il n'y a rien de sorcier non plus. Quand vous regardez sur votre... En général, c'est la première feuille que vous avez qui a graffé. Vous avez le détail de chaque produit commandé. Et au dos de cette feuille, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, vous avez pas mal de choses indiquées. Donc, notamment, comment régler. Ça, on en parlera dans une autre vidéo, mais surtout comment faire jouer la garantie. Donc, on vous explique tout et vous avez en bas tous les motifs, la liste de tous les motifs possibles pour les retours. Donc, ces motifs sont la couleur du parfum où la taille est refusée, c'est-à-dire que bah, la couleur, le parfum ne convient pas à la cliente. Produit défectueux, si admettons, bah, le produit est cassé, si c'était un collier avec deux pendentifs qui n'y en a qu'un. Motif C, le produit n'est pas le reflet de l'illustration de la brochure. Donc ça peut arriver de moins en moins quand même, puisque maintenant on a souvent des erratums qui nous arrivent par mail ou par courrier pour nous prévenir qu'il y avait un souci, notamment de couleur. Si vous avez un collier en brochure qui est bleu, vous devez l'avoir livré bleu. Si vous le livrez qu'il est rose, à ce moment-là, vous allez faire jouer le motif C. Le D, erreur de commande, ça on y reviendra tout à l'heure. Vous avez ensuite pour le motif E, qualité du produit décevante. Ça, on peut très bien imaginer que la cliente n'est pas satisfaite de la qualité du produit. Après, pour la lingerie, trop grand ou trop petit, vous avez 2 lettres différentes au niveau des motifs. Donc, il faut bien demander à la cliente de quoi il s'agit. Le H, c'est l'article livré trop tard. Imaginons par exemple pour Pâques, pour Noël. Ben, c'est arrivé trop tard par rapport à la cliente. Soit elle voulait faire un cadeau. À ce moment-là, vous mettrez le motif H. Et puis le I, c'est produit reçu à la place d'un autre. Ça peut aussi très bien arriver dans les gels douche et tout ça. Donc, on revient sur le motif D, erreur de commande. Alors, je vais vous donner un conseil, ne mettez pas dans la mesure du possible quand même ce motif-là, pour la simple et bonne raison, c'est que erreur de commande, ça veut dire que c'est vous qui avez mal enregistré votre commande. On prend un exemple, vous avez un mascara noir, brun et bleu. La cliente, elle voulait le noir. Vous avez mis sur Internet la référence du mascara brun ou bleu, donc vous avez été livré du brun ou du bleu. La référence que vous avez indiquée, et elle voulait le noir. Si vous mettez erreur de commande, le produit va être accepté en retour, mais ne sera pas remboursé. Donc là, ça peut poser effectivement un souci. Voilà, donc le dé, il faut bien faire attention à ça. Donc vous allez mettre dans votre colonne sur la fiche de retour, bah, tout simplement la lettre correspondant au motif de votre retour. Ce qui est très important, c'est que vous devez faire une copie. Toujours de cette fiche de retour, on ne sait jamais, ça peut se perdre par courrier ou voilà. Faites une copie, c'est quand même très important et puis c'est plus sûr aussi pour vous parce qu'une fois que vous l'avez envoyé, vous l'avez envoyé. Vous n'avez plus de fiche de retour par rapport à cette campagne-là et puis c'est un peu délicat si après, avant, on ne la reçoit pas. Ou l'envoyer, bah, c'est pas compliqué, vous avez l'adresse là-haut, tout simplement. Alors comment ça se passe? Le mieux, c'est que vous alliez à la poste, vous demandez les colis, les cartons, Colissimo, les retours. Pour les envois. Alors, ça dépend de votre produit, forcément. Si vous avez quelque chose de très grand, de très volumineux, bah, vous allez prendre un grand colis. Si vous avez juste bah, un article de lingerie, vous pouvez très bien prendre une enveloppe souple. Ça, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous mettez votre produit à l'intérieur dans son emballage d'origine.
avec l'étiquette garantie, s'il y avait une étiquette, et avec justement votre fiche de retour remplie correctement. Donc ça, c'est aussi très important, parce que si elle n'est pas dedans, ben, forcément, on ne va pas savoir pourquoi vous l'avez retournée. Donc une fois que vous avez mis votre fiche de retour à l'intérieur, après, ça va dépendre si vous voulez être remboursé ou pas des frais de retour, parce que forcément, quand vous prenez une lettre souple ou un colis à la poste, c'est un coût, donc vous pouvez être remboursé. Alors, ce n'est pas la peine de prendre très gros pour être remboursé à hauteur d'une somme importante, puisque Avon met quand même un plafond au niveau des remboursements. Donc, en général, vous avez pour 5-6 euros de retour grand maximum, c'est la moyenne des prix. Donc là, Avon vous le remboursera à condition que vous rajoutiez la facture de la poste. C'est-à-dire que quand vous prenez votre colis, que vous envoyez votre colis, vous demandez une facture. Vous mettez la facture de la poste dans votre colis avec la fiche de retour, le produit, vous fermez, vous l'envoyez à l'adresse qui est là en haut et Avon devrait le recevoir sous une semaine, mais vraiment grand maximum. Voilà. Donc après, comment ça se passe? La cliente, elle a deux possibilités. Ou elle est remboursée, ou ça peut être échangé. Alors, si elle veut être remboursée, ben, dans tous les cas, de toute façon, vous lui rendez l'argent quand vous récupérez le produit, et c'est Avon qui vous remboursera, vous. J'espère que je suis quand même assez, assez transparente à ce niveau-là, et que c'est très clair ce que je dis. Sinon, n'hésitez pas à me mettre un petit mot, soit un message perso sur Facebook, soit un petit mot sous la vidéo, il n'y a pas de souci. Donc, soit elle veut être remboursée, soit ben, elle veut quand même son produit, et vu qu'il a été défectueux, qu'il y a eu un souci, ben, elle souhaite le recommander. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez très bien ne pas lui rendre l'argent, ça c'est vous qui voyez, mais c'est pas politiquement correct, on va dire, et vous le recommandez immédiatement. Donc d'où l'intérêt de vraiment le faire deux campagnes grand maximum après qu'elle ait passé sa commande. Parce que sinon après de toute façon vous ne pourrez plus commander. N'oubliez pas que vous pouvez commander dans la brochure actuelle et dans la précédente uniquement. Donc voilà, donc ça peut être assez compliqué. Donc voilà, je pense que j'ai tout expliqué au niveau du retour. Donc il faut bien faire attention, comme dit, à bien remplir la fiche de retour. Faites toujours une copie, c'est très important. Et mettez la facture à l'intérieur de votre renvoi pour que Avon puisse vous rembourser les frais de port. Voilà. Sinon, on prend l'exemple, ça j'ai peut-être quand même le préciser, d'un mascara qui a été retourné parce qu'il a été tout simplement, il était cassé à la livraison. Ce que vous allez faire, c'est qu'en même temps que vous renvoyez votre mascara, sur la commande prochaine, vous le recommandez parce que Avon ne va pas vous le renvoyer automatiquement, bien entendu. Donc, il faut absolument que vous le recommandiez. Voilà. Donc, un petit conseil aussi, appelez peut-être le service clientèle pour être sûr qu'ils aient bien reçu le retour 4-5 jours après. Comme ça, au moins, vous avez l'esprit tranquille. Voilà. Ben, j'espère que j'ai pu vous éclaircir sur les retours. Bon, j'espère pour vous que vous n'en aurez pas beaucoup. En général, les clientes, elles sont satisfaites. Les motifs qui reviennent les plus souvent, c'est au niveau de la lingerie. Parce que ben, forcément, c'est pas obligatoirement bien taillé au niveau de la cliente ou si c'était pour un cadeau. Et puis, ben, les produits qui étaient cassés dans la livraison. Voilà, donc ça arrive souvent. Puis n'oubliez pas, le motif erreur de commande, vraiment à éviter, c'est dans votre intérêt. Voilà, à bientôt.